Et salut YouTube, on est sur. J'ai demandé à ma femme. J'ai pas monté, si j'ai mon téléphone. Attendez, je demande à ma femme. Necromunda, on est sur Necromunda. Alors, nouveau skin disponible. Yes, super. Content de le savoir. On arrive à Martyr's End, qui avait été complètement ravagé apparemment, et qui avait été attaqué. On va voir ce que ça donne. On est sur la fin du jeu. Il va falloir que j'en tue encore combien pour que vous compreniez? Encore un? Non! Non! Alors écoute, tu vas faire le messager pour moi. Toi et tout le reste de la racaille de ruches qui travaille pour Silver Talon, sortez d'ici et ne revenez jamais. Tu m'as compris? Elle est morte. Si je te trouve avec elle, tu auras gâché la deuxième chance la plus incroyable de ta vie. Maintenant, barre-toi! Tu le laisses partir! Pour l'instant, il nous est plus utile comme ça. Va t'équiper, te soigner, prends tout ce dont tu as besoin. Ensuite, on mettra enfin un terme à tout ça. Mais toi, t'as trop l'air d'être un agent d'élite. Je sais pas, de la garde impériale ou une connerie comme ça, mec. Vraiment. C'est incroyable. On va prendre les améliorations en premier. On dirait que tu n'y as pas été de main morte avec tes implants. J'ai besoin que tu jettes un œil à mes bioniques. Ouais, fais voir, ouais. Bonus de santé plus 15. Là, on a accès à... Putain, on a 10, 200... On est riche. Bonus de chance critique. Oui. Implant vocal. Ça, oui. Pourquoi je peux... Ah ouais, parce que 116 000. Bah oui, oui évidemment. Oui, oui, oui. Oui effectivement. Les améliorations commencent à coûter cher. Plus d'énergie, je veux dire plus de... le niveau de, d'énergie du joueur, ce qui réduit le temps de recharge. Ouais, ça veut dire plus de sorts, ça. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Voilà, on va s'arrêter là pour les améliorations. Notre massif est toujours vanilla. N'est-ce pas, hein? Oh, t'as un joli toutou, hein. Oh oui, oh, il est beau. Oh, il est beau. Regardez-moi ça, il est vanilla. Et on l'améliorera pas. C'est mort. Je n'améliorerai pas ce massif. Salut. Clairement, les choses sont en train de changer par ici. Vous voulez pas arrêter de parler pendant que j'essaye de parler à quelqu'un, en fait? Vous êtes relou. Je m'en fous, je vous coupe la parole. Hein, parce que vous m'empêchez d'avancer, en fait. On s'en fout de vos dialogues, là. Merci. La dernière fois que... T'as vu Jericho? Pas depuis qu'il a fini de mitrailler mon bar. Je pense pas qu'il avait trop le choix. Eh bien, peut-être pas cette fois-ci. Mais je ne veux plus que vous traîniez ici tous les deux si vous causez ce genre de problème. Ah mais c'est pas ma faute, j'étais pas là. Et de quoi? Pour le bordel que vous avez mis tous les deux. Tiens donc. Ah. Tout est prêt? C'est l'heure. Ouais, je suis prête. Tu vas me dire qui t'es, bordel de merde? Il est temps que tout ça se termine. Il est temps pour toi de faire fortune. Où est ton maudit molosse? Tu vas avoir besoin de lui. Oui, oui. Non. Oui, oh il est beau. Il est beau, il est vanilla, il est beau. Ok, Araneus Ventri. Mission 13. On est parti. Lancer la mission. On va faire les modifications qui s'imposent. Par contre, j'aimerais bien... J'aimerais passer là. Ah ouais, voilà, ouais. 68. 68, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Je veux pas du lourd. Quoique. Bah non, parce que ça, c'est mon striker. Donc du coup, on va prendre le striker... le striker plus 2. Qu'on va personnaliser, en vrai. Ok. Et ça, c'est le sniper. Mais le sniper, on peut peut-être le remplacer par le bolter lourd. 74 de... On va le remplacer par le bolter lourd.
Et ce bolter là, on va le remplacer par le fusil à pompe. On pourrait mettre ça, mais en vrai, ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir de la chance de butin. Je préfère avoir de la chance de butin. Ça, normalement, on est bon. Donc, on va personnaliser les armes. On va personnaliser le Iron Fist qu'on va... Qu'on va mettre avec ça. On va lui mettre du radioactif 2. Ça augmente les dégâts. On va augmenter les dégâts 83. J'ai plus d'argent. Incroyable. Le viseur laser, on s'en fout. Il a déjà le mécanisme de précision. C'est cool. C'est bien parce que ceux-là, ils ont déjà des améliorations de base. Je m'en fiche qu'il ait un viseur en vrai. Gardez du standard. Mais du coup, attends, il me dit que j'ai des... Ah oui, non, mais j'ai des skins débloqués en fait. Ok, okay, l'Iron Fist, il est bon. L'épitaphe, normalement, c'est bon aussi. Ah, faut que je débloque les lasers pour chaque truc. Bon, bref, ça, c'est de la merde. Mon Iron Fist de base, il est prêt. Ok, sur mes basiques, on a le Striker 2 à modifier. On va lui mettre le porte-bonheur à 7%. 138, 145. Oh, celui-là est plus intéressant. Même s'il a moins de chance. Il a 1% de chance en moins, mais il est plus intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on lui met? J'ai bien envie de lui mettre de la charge statique, mais en vrai, là, c'est du plus 1. On va mettre du plus 2. Charge statique, plus 2. J'ai pas de viseur laser de débloquer. Garde-main. Normalement, j'en avais une de débloquer de garde-main. Ok. Pareil, normalement, la croche, j'en ai une de débloquer. Je sais pas pourquoi il... Faut que je le déséquipe avec l'autre. Ah ouais, non, du coup c'est pas compatible entre les autres, entre les deux. C'est dommage. Ok. Bah pour l'instant il sera pas amélioré plus que ça. C'est chiant parce que là du coup je passe à 50 de dégâts. Alors attendez, alors que peut-être. Si je déséquipe tout ce qu'il y a là. Tac. Tout ce qu'il y a sur ce striker. Est-ce que par hasard, il me dit après que c'est disponible que j'en ai. Canon standard. Ok. On va voir. Parce que s'il faut racheter à chaque fois pour chaque arme, c'est un peu relou en fait. Parce que les armes, t'as pas trop envie de les garder. Ok. Donc là, Striker 2. Non, je suis obligé de débloquer sa version du... Bon, bah tant pis. Tant pis. Je suis obligé de les acheter. C'est incroyable, ça, par contre. C'est chiant. Pour chaque arme, je suis obligé d'acheter des améliorations. Ok. On va rester là-dessus, du coup. J'ai... Lui... Est-ce qu'il me dit sur quoi c'est... Sur quelle arme c'est équipé? Il me dit pas. Non, il me dit pas. Ça, c'est chiant, par contre.
Ok. On va lui mettre le 13. L'archéothèque, celui-là. Et on est bon. Non, basique, voilà. Je lui ai mis. Ouais, je lui ai mis le plus. Bon, bref. On va être bon comme ça. On est parti. Lancer la mission. Ok. Chapitre 13. Alors voyons. Ça y est, nous y voilà. Ok. Ils sont là. Tous. Ouais. Il y a un réclamatorium juste devant. On dirait que les Black Serpents y sont planqués depuis un bon moment. Merci Torbjörn. Silver Talon est. Ah, j'ai un deuxième chacha qui arrive. Oui, j'en suis quasiment certain. J'ai suivi ces mercenaires jusqu'ici hier. Après que tu l'as choisi. Incroyable. Ils sont pas les seuls. Tu fais la vedette. Bon. Combien il y a d'entrées? J'en ai trouvé deux. Donc, on a deux possibilités. À toi de choisir. On se voit à l'intérieur. Non, faut que tu te baisses, mon bébé chat. Baisse-toi. Baisse-toi, chacha. Ok. Du coup. Salut. On y va. Il y a 4 trésors. La mort ici. Bonjour mon chacha. N'oublie pas, on ne peut plus faire marche arrière. Tout se termine ici. Silver Talon est léger. J'avais envie. Cette fois-ci, son heure est venue. Je vois rien, j'ai un chacha devant les yeux. C'est incroyable. Je vois rien. Je vois pas ce que je fais. Je fais des trucs hallucinants, mais je peux pas voir. C'est trop bien. Je joue en mode nightmare. En mode catmare. J'ai envie d'essayer le bolter. Le bolter lourd. Celui-là. Salut, je suis un bolter lourd. Non seulement je vois un chacha à la place de mon arme. Ça me rappelle énormément Vermintide d'un coup là. Ah ah! Un coffre! Même pas eu besoin de tricher pour le voir celui-là. Quand je dis tricher, c'est utiliser mes sens. Hein. C'est pas. je triche pas quoi. Bah, je suis un bolter lourd! Ok, ok. On va reprendre lui. Ah bon, je suis là? Attendez, je suis là? Vraiment? Excusez-moi. Pardon. Oh, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, mais non, pas du tout. Alors, je suis là, mais toi, t'es où? Ok. Alors, les coffres. Ça, c'est des gens. Y a pas de coffre là. Ça va péter. Ah 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 ah. Ok. Ah. Putain, on dirait trop le bruit de relique et. Bon, c'est une mine après ça, sans tout. On dirait trop le. Faut que je fasse comme ça. Genre, je dois me taper les pieds dans la mélasse. On dirait, hein. Ah, il y a un bateau. J'aurais peut-être dû prendre le bateau. Ou alors passer par au-dessus. Ouais, je sais pas. T'es censé être un sniper, toi, c'est ça? Attendez, j'arrive. Attendez, je le refais, mais j'arrive. Merci bien. T'avais. Oh!
Mais il y a du spawn infini ici. Eh, ça veut dire du loot infini aussi. Incroyable. Ça veut peut-être dire une mort aussi. C'est probable. Ça a l'air de respawn à l'infini. Par contre, tu peux te faire genre de l'argent à l'infini, quoi. Ça, c'est... Ah non, ça respawn plus. Ok. J'ai rien dit. Salut. Excusez-moi. À chaque fois, je me trompe de bouton, mais c'est pas grave. Ça passe. Ah, encore un. Non mais... Oh, putain. Ok, ok, tout va bien, tout va bien. Vous inquiétez pas, je respire fort, mais tout va bien. D'accord. Quoi? Pardon, je me TP, je meurs. What the fuck? En plus, ils sont morts, les machins. Ça, c'est incroyable. En dessous. Apparemment, en dessous, j'ai un truc. Ton bouclier, ça m'énerve. Tu arrêtes. Alors, apparemment, en dessous, il y a un truc. Mais pour aller en dessous, comment qu'est-ce que je fais? Ah là! Voilà! Incroyable! Merci beaucoup! Mais que du bleu? Vraiment? Moi j'étais ravi à un moment d'avoir du bleu, maintenant je suis un peu moins ravi quoi, je préfère du jaune. Évidemment. Ok. Par contre, un jour on pourra voir quelque chose avec ça, hein. Promis. Et t'es qui là? Allez. Ok. Tu vas où? Tu vas où comme ça? Dis-le si je te dérange. Oh, c'était si propre ça. Ah, excusez-moi, hein, Gaël. Là. Gaël qui m'embête. Là. Non, jaune. En vrai, je récolte plus du jaune sur les gens que dans les coffres. Quoi. Coffre, justement. Aïe. Ok, sauvegarde. Je pense que j'aurais pu prendre le bateau aussi. À un moment, c'est peut-être quelque chose. Mais il y a peut-être un truc aussi, genre péter toutes les mines ou une connerie comme ça, genre en mode merde. Succès GOG. Usine de recyclage de cadavres. J'en avais genre péter tous ces trucs là. Je pense que je vais en rajouter quelques-uns à la pile. S'il y a vraiment beaucoup de mines. Je me demande de... A voir. A voir. Est-ce que vous voyez des coffres? Moi j'en vois pas. J'en entends pas non plus. Hop. Y'a rien par là. Hop là. Peut-être par là, par contre. Je l'admets. Ouais, j'attends que ça se régénère, là. Bon, ça fait... Ça veut peut-être dire que je dois me combattre, genre, avec ça, là. Ouais, ok.
Non, non, mais... Ah, mais... Je voulais juste que tu t'accroches, en fait. C'est vraiment mon arme préférée. Hein. Après... j'ai celui-là aussi. J'aimerais bien essayer. On va essayer ça là. Vous avez rien vu, moi non plus. Montre-moi ton pédigré, merci. Oh, je recharge, c'est pas bien ça. Et où le chien? Ah, il est là. Mais regardez-le, il est bloqué, je sais pas comment. Il est allongé là en bas. Il est... Si je dois tous les tuer, c'est nul. Ah, bon bah... D'accord. S'il me dit que je dois le tuer, lui... Ok, je dois aller jusqu'à haut. Vas-y, j'arrive. Ok. D'accord. Ah, mais du coup, attends. Là, il y a un coffre, mais je peux pas y accéder parce que... pas encore. Donc on y va. On y va, hein. Ok. Ah, l'aide. Le sommet est là-haut. Et tu me dis toujours il y a un coffre? Non, tu me dis pas il y a un coffre en fait, il n'y a pas de coffre. Bonjour. Excusez-moi. Excuse-moi, il y a un truc qui essaye de rentrer dans ta tête. J'ai eu un coup de cœur pour toi, mec. Deux têtes pour le prix d'une. Bonjour. Ça va? Toujours pas de coffre? Il y a juste un truc où s'accrocher. Ça, c'est le sommet. Toujours pas de coffre. Ok. Où est mon chien? C'est mon chien! Alors, je sais pas, des fois il se téléporte bien et des fois il veut pas. Salut. Oh, t'es stylé toi. Oh, j'aime bien ta tenue. Ok. Je peux pas. Non, je peux pas me drapiner là. Bah. Hein? Je dois activer un truc. Je dois activer un truc. Je peux passer par là. Ok, on avance. On monte, tranquille. Et là, il y a un coffre. En dessous. À combattre, ok.
Oh, oh, oh la vache! Oh, ils font si mal! Oh, ils ont fait si mal! C'était incroyable! Il est où le chien qui me croque là? Ah bah il est mort avec. Non, tu t'enfuis pas. Le Psyker là, il y en a marre. Je suis tout prêt. Ramène-toi, Jericho. Là-haut? Non, mais il me disait que c'était en bas tout à l'heure. Là-haut? Ok. Combattre là-bas. Le coffre, c'est ça qui m'intéresse. En dessous là-bas. Pas passer là, ok. Alors comment? Alors comment du coup? Ça m'a l'air d'être bloqué. On va combattre et on verra après. Allez, c'est moi que vous voulez. Venez me chercher. Voilà, petit ralentissement là. J'ai chopé dans les airs lui. Ah mais... Tiens. Oh, oh, il met des flammes là. Alors toujours pas possible d'y aller? Ah bon? Ça dégage la racaille. Hop là! Ça en fait encore du monde. Bon. Il est où? Attendez, on va faire. Voilà. Ils sont en train de s'accoupler, ils sont mignons. Voilà.
Oh non, oh, je suis jamais autant mort que sur cette mission quoi. Incroyable. C'est, ça commence à faire beaucoup hein quand même. Ça fait beaucoup là non? Ah oui, ils sont nombreux. Puis il y a elle là. Ok. Ah putain. Voilà. Oui. Mais dis pas qu'il y a encore une bug. Bah dis donc. Et B. Tu m'as trouvé. Ah. Mais c'est vraiment une armure de sort de bataille. Qui t'envoie? Pour personne. Pour personne ne m'a envoyé. Il y a une prime sur ta tête. Je suis venu la récupérer. Ah, les dialogues se sont chevauchés. Eh bien, je suis contente que tu aies fait le déplacement. Tu as quelque chose que je veux aussi. Nous pourrions peut-être faire un échange. Quoi? Cette chose dans ta tête. Elle va prouver que je suis innocente. Quoi? Comment ça? L'implant cérébral. Elle a tué Virax pour l'obtenir. N'est-ce pas, Yelena? Cal, tu retravailles pour le vieux? J'aime pas ça du tout, Jericho. Tu la connais? C'est un vieux problème que je pensais avoir réglé il y a bien longtemps. Pourquoi es-tu revenue, Yelena? Parce que c'est mon droit, Cal. Tout comme c'est le tien. Jericho. Ce n'était pas une très bonne idée. Je suis la descendante d'une maison noble. J'ai beau errer, revenir reste mon droit de naissance. Et cette chose dans la tête... C'est totalement une sorte de bataille. ...va prouver qu'ils m'ont trahi. Personne ne t'a trahi, Yelena. Tu es allée trop loin. Je te donne une dernière chance. Trop loin? Procurer aux nobles de la Spire ce qu'ils convoitent. De la technologie ancienne et les moyens de vivre 1000 ans. Tous les moyens ne se valent pas. Certains sont interdits. Excusez-moi, tu sais bien ça fait du bruit. Ils se sont retournés contre toi. Non, ils se sont retournés contre moi pour expier leurs propres péchés. Ils m'ont banni et ils t'ont envoyé pour me tuer. Et je t'ai donné une échappatoire. Je t'ai dit, pars et ne reviens jamais. Et personne ne l'aurait jamais su. 10 ans. 10 ans à errer dans les terres empoisonnées. Et pendant ce temps-là, ils ont été oisifs et ont passé leur temps à faire la fête. Elle s'est fait des petits bigoudis là sur les côtés là. Grâce aux quatre. Elle est coquette en fait. Les choses que j'ai trouvées pour eux ici, dans ce lieu maudit. Les choses pour lesquelles j'ai tout risqué. Des trésors d'une valeur infinie. Tu l'as fait Natsu. Plaisir, Yelena. Descends. C'est la seule raison valable pour mener cette vie. Tu es exactement comme moi. Sauf que toi, tu ne veux pas te l'avouer. Non mais je rigole pas, hein. Tu descends. Trop de risques. Tu as fait trop d'erreurs.
et la plus grave a été de revenir après tout ce temps. Les erreurs sont une chose que vous avez en commun tous les deux, Jericho. Toi, tu travailles aussi pour le petit seigneur, Alma. Oh non, mais beaucoup aimeraient savoir ce qu'il fabrique. Laissez les gens de ton espèce s'échapper pour je ne sais quelle contrepartie. Alors dis-moi, qui t'a envoyé? Tu le sais déjà. Mon père. Le seigneur Catalus lui-même. Vous avez causé bien trop d'ennuis. Et tout se termine ici. Oh, Shadow, alors? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est moi qui m'interpose, mais pourquoi? Tu es aussi minable que lui. Tu n'as aucun droit à prétendre à cette récompense. Après tout ce que tu as fait, laisse-la moi. Sors d'ici et je te laisserai vivre. Sans rire. Ah, on l'affronte. Ok. Fait quand même un peu mal. J'ai pas peur. Ah, pas peur. Je sais juste pas où t'es en fait. Arrête de disparaître. Oh! Jure! Oh, il fait si mal! Mais il te one shot! C'est incroyable! En fait, lui, il est là pour te niquer toute estime pour avant le boss de fin, quoi. Mais il donne rien en plus. Mais il est vraiment là pour te niquer toute estime en fait. Il est trop dur ce boss. Ils ont pété un câble hein. Et du coup j'ai pas eu de coffre que je voulais. What the fuck. Ça m'a emmené là direct et j'ai pas eu le coffre que je cherchais tout à l'heure. Bon. Incroyable. Mais il est trop dur lui hein. 3 steam il m'a niqué. Ah mais attendez, on revient là. Alors attendez, là il y a peut-être moyen que. Allez. On ait accès maintenant. Ah bonjour. Non, on n'y a pas accès. Ça nous dit non. Là, il y a un trou, par contre. Ah. Attends. Ok. Alors, il y a ça, là. Non. Il doit y avoir un truc à ouvrir. Je suppose que c'est en dessous là. Il y a un truc à ouvrir. Attendez, il doit y avoir un truc à ouvrir. C'est pas possible. Parce que c'est en dessous là. Ça pète ça?
C'est un peu loin. Celui-là. De toute façon, il m'en manque plus que ça, donc. Ah, je suis stuck. Incroyable. Bon. Tant pis. Allez. On est parti. Tu es à moi. Ah, ah, ah. Attrape-la. On dirait moi sur Overwatch. Ce serait allé plus vite je pense avec mon autre arme qui était améliorée. Comme j'ai pas pu améliorer cette arme là. Ok. Je crois qu'elle a mal. Ok. Je crois qu'elle a moins mal. Moi je le fais plus vite que toi. Bon j'avoue avec le bolter lourd peut-être que... Il y a moyen. Ah, phase 3. Ok, super, un invoque des sbires. Oui, je vais te détruire. Bah ouais, si tu dis. Je te réserve d'autres surprises. Super, parce que je commence à m'ennuyer là, en fait. Cette arme là que je préfère. Hein.
Ah, ça a pas marché. Ah bon. Oh, j'ai eu peur. 5 PV là. On dirait Dimitrescu dans RE8, la voix. Putain, il est stylé le combat. Hein. Le boss fight est vraiment convaincant. Hein. Et je peux pas la lock. C'est incroyable. L'aimbot il marche pas sur elle. Je l'ai raté bon. T'as combien de... Ah putain, j'allais dire t'as combien de PV mais... A l'aide quoi. A l'aide ce boss de fin. Oh là là. On rigole pas les heures de bataille. Bien voilà, c'est fini. Allez, on s'en va. Et ben voilà, c'est fini. Allez, on s'en va. Elle est à toi. La prime est pour toi. Ok. J'aimerais te dire que ça est 250 000 alors du coup. Shadow, c'était qui au final? Et ces trucs qu'il a dit sur toi? Lui? Ce n'était qu'une brute du sous-monde qui cherchait à se faire un nom en accomplissant les choses atroces commanditées par ceux d'en haut. Dommage que nous ayons dû le rencontrer dans ces circonstances. Tu m'as menti. Il était fort. Hein. On pourchassait Silver Talon alors que tu connaissais son identité depuis le début. Tu l'avais déjà aidé à s'échapper. Oui. C'est vrai. Ou pas. Il y a des choses que je n'aurais jamais révélées dans tous les cas. Tu devrais t'estimer heureuse que je t'ai donné une chance. Mais t'es qui? Mais c'est fini. Ça sera tout. On est quitte. Prends le corps et récupère ta récompense. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me débarrasser de ce crétin de Shadow. Pour de bon. Ah mais il est pas mort? Mais si, il est mort. Retourne à Martyr's End et touche ta récompense. Trois fois. Trois fois que tu nous le dis. Hein. Trois fois que tu nous le dis. Du coup, je coupe la tête là. Direct. On récupère Marie comme moi. Ok. Mission accomplie. Nice. Du coup, quoi, fin du jeu? C'est... On a un Firebird, 86 de dégâts quand même, hein, cette connerie. Hein. Et c'est juste un pistolet, hein. 113 de dégâts. À la place de mon striker normal. Ça, c'est un canon de poing, par contre. Ouais. Ça, non. Là, il n'y a rien qui nous intéresse, en vrai. Oui. Complètement, hein. Place de ça. Complètement. L'archéothèque, quoi qu'il arrive, on prend. Hop. Il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. Oh, porte bonheur! Allez, 12 carrément, quoi. Tac, tac. Hey! Hey, là. 16. Oui. Le reste, on s'en fout. Et il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ok, on quitte. 42 000. C'est bien. Il me semble que c'était la dernière mission. On est à combien? Putain, ils m'ont pris 62 500, quoi. Ah, à cause des frais médicaux. J'ai dépensé beaucoup de Steam, donc du coup ils m'ont pris pas mal.
Ok, ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein, les frais. Ou quoi, j'ai gagné que 12 000, quoi. Du coup. Ok. Ouais. Salut, les gars. Je suis toujours recherché. J'ai toujours une prime sur ma tête, là, ou pas? Pour le coup. Ah, mon chien. Regardez, je l'ai pas amélioré une seule fois. Comment ça? Ah ouais. Ah, Jericho, connard, mais quel bâtard! Il a mis ma tête à prix. Ah, ah, le salaud! En tout cas, le jeu était excellent. Le jeu était excellent, les boys. Je sais pas comment vous l'avez trouvé. Curieux de voir vos commentaires là-dessus pour avoir vos avis. Franchement, bon taf, quoi. Bon taf. Et External contributor. Il y a pas tant que ça de monde, hein. En vrai. Je crois qu'ils sont que 17 en vrai, en tout. Ils ont fait pas mal de trucs. C'est ouais, plutôt cool ce petit jeu réminiscence de Doom, assez bien intégré à l'univers de Warhammer 40K. Des problèmes techniques quand même, des petits lags, des machins, des zones un petit peu buggées, mais pas gênant à la progression du jeu. Les musiques sont grave stylées, malgré qu'elles soient un petit peu absentes des fois. Là où dans un Doom on a de la musique tout le temps, il y a tout le temps de l'action, c'est tout le temps dynamique. Là on va avoir des phases de repos où des fois il y a juste rien. C'est un peu dommage. Après c'est un double A, il n'y a pas les moyens de Doom. Hein. Doom est un triple A, ça c'est un double A, il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas les mêmes... la même argent dessus. Cela dit, ça n'enlève rien au fun. L'histoire est correcte, elle est très bonne. Je le trouvais un peu court quand même. Il y a beaucoup de missions secondaires à faire. On les a pas explorées durant ce let's play. On a l'histoire est facile à comprendre, même si on n'est pas du tout de l'univers de 40K. Je trouve ça génial. Et en vrai, non, le jeu en soi est hyper cool. Il est vraiment hyper cool en fait. Il n'y a pas eu un moment où je me suis ennuyé dessus, quoi. On peut faire des phases de recherche un petit peu pour avoir tous les coffres, avoir tous les trucs, faire un peu de farming aussi si ça nous intéresse. On n'est pas obligé d'être un gros bourrin. On peut être un petit peu dans le comment dire. Dans l'infiltration, il y a vraiment cette notion aussi de puissance avec les pouvoirs qui est assez présente. On a pas mal de choses qui sont positives dans cet opus. Et en ce moment, sur les licences de 40K, sur les licences Warhammer, on a beaucoup de jeux qui sont intéressants, qui arrivent et qui sont déjà présents d'ailleurs. Il y a eu Mechanicus, il y a les Total War qui sont là, il y a les Dawn of War qui étaient déjà présents mais qui sont géniaux. On a vraiment beaucoup de choses. Le Space Marine, hein, on parle pas de Space Marine assez souvent, qu'on a déjà fait sur cette chaîne, qui est juste génial, il est assez phénoménal. On a vraiment beaucoup de chance là sur les jeux. Il y en a beaucoup aussi qui sont pas bons. Excusez-moi, je fais tout tomber, c'est terrible. Mais globalement là, de tous ceux qu'on a testé sur la chaîne, en tout cas, que du bon, c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite que nous réserve. Les gens qui travaillent sur les jeux Warhammer et sur la licence Warhammer, c'est plutôt excellent.
Du coup, ouais, je suis recherché mort ou vive. Mort ou vive et exécuteur Palanit. Je sais pas qui c'est. Donc on a toutes ces missions secondaires qu'on va pas faire en vrai. On va pas faire en tout cas sur YouTube. On va peut-être un petit peu plus explorer sur, sur Twitch. Comme ça, ça vous fait du contenu un peu différent de YouTube. Mais pour l'instant, on va pas faire ça. On va pas chercher aussi non plus à avoir, avoir du classe S. Ça m'intéresse pas plus que ça. Je sais que si on fait des, voilà, des missions de destruction, on va se gagner très vite de l'argent, assez rapidement, sans avoir à se casser la tête. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Là, on passe sur, sur des missions un peu plus dures, mais qui rapportent beaucoup. Et là, bon, bah, c'est le must-have, hein, la chasse, les captures... ça c'est plutôt pas mal. On a aussi cette notion de faire baisser tout ça. Apparemment le Lord Rebel, je suis pas si mal avec eux. Non, pas du tout. Non, c'est, j'ai eu un effet d'optique bizarre. Ok, ouais, donc on verra. Donc là le contact c'est le Lord Rebel. Donc si je fais des missions pour lui, il va m'apprécier, je suppose. Un peu plus. Là j'ai des accès refusés. Donc on verra tout ça. Donc je suppose qu'on peut refaire les missions aussi directement. Ok, et donc là, j'ai vraiment accès à tout, tranquille. Est-ce qu'on a débloqué des nouveaux trucs spécial, je pense pas. Je vais mettre fin, du coup, à cette VOD. Ah, je vais pouvoir améliorer ça, c'est cool. On a quand même eu les 250 de prime, de la prime. 250 000 de la prime, c'est cool, du coup, ça nous permet de, d'investir un peu plus. Investir un peu plus dans, dans ces choses-là. Et du coup, l'emploi vocal, je l'ai, quoi. Je peux... analyse la zone pour trouver des objets utilisables, coffres ou butins, etc. Indique les balises de coureurs de dôme. Indique aussi les pièges et coffres piégés. Fournit une vision nocturne et une chance améliorée de détecter les ennemis. Augmente la chance d'infliger un coup critique. Ouais, mais du coup, attends. Parce que là, j'ai pas plus que ce que j'avais avant. C'est juste que la portée est augmentée et la durée est plus longue. Bonus de chance de coup critique 0,5 en plus. Le temps de recharge, par contre, il est vénère. On augmente. Donc là, je suis au max. Ok. Bonus d'énergie, oui. Sauf que j'ai plus de trucs. Ok. Et donc là, il faut farmer pour finir, finir tout ça. Ok. Toi, tu proposes des trucs intéressants maintenant ou pas? Non, t'es toujours sur du bleu et du blanc. T'es pas spécialement intéressante, quoi. Bon, ça, c'est un petit peu un aspect négatif, qu'on n'ait pas eu des trucs vraiment intéressants. On a l'arène là-bas, mais qui ne sert finalement à rien. Et on a lui pour améliorer les trucs, mais ça, on peut le faire aussi en lançant une mission. On n'est pas obligé d'aller le voir. Donc voilà. Bon, du coup... pour la VOD, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur un autre jeu. Merci d'avoir suivi ce let's play sur Twitch. On reste là, on va continuer, on va explorer un petit peu les missions secondaires, etc. Et on va peut-être passer sur un autre jeu. Donc on verra, peut-être Subnautica, peut-être du Subnautica, peut-être Below Zero. On va peut-être commencer le let's play sur Below Zero, on verra. Donc voilà, je coupe la VOD. Des bisous YouTube.